Bon, c'est parti, KTP 12, comme pour chaque KTP, on a toujours une heure de retard. Alors, cette saison, on est plein, on est en team de 2, on est 32, donc ça fait 16 teams. J'entends un petit écho au passage. Ouais, c'est relou. Règles spéciales cette saison. Alors, on va commencer par les règles standards, KTP standard, machin, potion de force désactivée, le reste est potion niveau 2 désactivée, le reste c'est standard, pomme d'or, blablabla. Au niveau des crafts diamants, seul le plastron et les bottes en diamant sont autorisés. Vous pourrez pas crafter ni de pantalon, ni de casque, ni de d'épée en diams. J'en sais rien pour les pioches. Si, non, les pioches c'est bon, je suis con. Et puis si vous voulez faire du en diamant, c'est bon aussi. Quoi. Par contre, niveau règle spéciale, c'est qu'on a une vie commune. On va tous démarrer à vainqueur. On en a tous vainqueur, donc deux barres de vie. Et chaque fois que quand vous prenez des dégâts, vous les transmettez à votre mate. Vous prenez un cœur de dégâts, votre mate va prendre un cœur de dégâts. Pareil, si votre mate prend des dégâts, vous prenez des dégâts. Attention, friendly fire activé. Donc si vous vous tapez, chacun prend un demi-cœur de dégâts, quoi, tu vois, ça c'est violent. C'est vicieux ça. Il y a une seule règle un petit peu compliquée à comprendre, donc écoutez bien, même si je l'ai déjà dit dans la salle, c'est pour vous les viewers. L'absorption est à part, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'absorption, s'il prend des dégâts et que ça enlève son absorption, ces dégâts-là ne seront pas transmis au mate. De même, la régène est séparée, c'est-à-dire que si je prends une pomme d'or, je vais régène deux cœurs, mais mon mate ne va pas régène deux cœurs. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Bien joué à toi. Ah oui, dernière chose, c'est très importante. Si jamais votre mate prend des dégâts de telle façon à ce que vous risquiez de mourir, vous resterez à un demi-cœur. Vous ne pouvez pas mourir à cause des dégâts de votre mate, vous restez bloqué à un demi-cœur et il faut prendre le dégât final, entre guillemets. Ok. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On a des nouveaux, appuyez sur tab comme ça. Il y a les nouveaux, c'est Madame Silverlight, il y a Thorl, il y a le retour de Tech, ça faisait longtemps. Ouais. On a le prof de bad, on a le prof d'histoire, on a... Qui on a? Ika, il a jamais fait de KTP, Luke non plus, je crois pas, je sais plus. Non, voilà, et puis après on a tous les autres classicos. On a Mouette aussi, il se cache, j'entends pas depuis tout à l'heure. Salut, putain, il est avec Pierre, t'es en train de fixer ta bite depuis tout à l'heure. Non mais c'est... je pas ma bite, j'ai une table sur du blanc, comme ça on le voit bien. Elle a l'air petite, hein. Là tu es obligé de te casser le cou. Alors oui, aussi, vous allez être surpris dans le tab parce qu'on a tous vainqueurs, les 10 autres cœurs apparaissent comme de l'absorption. C'est un bug Minecraft, on peut rien y faire. Ça, ok. C'est ça. Pierre précise pour les viewers, c'est les gentlemen roses que vous avez banni, etc. Pour que tout le monde soit au courant. Ce qu'on a banni, utilisation de la canne à pêche autrement que pour pêcher, saut de lab dans le nether, et c'est tout. Et je crois que c'est tout. Y a pas de pantalon ou de casque en diamant. Ouais, mais ça, je l'ai dit, ça fait partie des règles. C'est plus des règles, c'est pas de la gentleman rose, parce que ça, le craft est bloqué. Y a pas d'épée en diamant non plus. Et y'a pas d'épée en diamant aussi. Ah ouais, voilà. D'accord, okay. Parfait. Ok, oui, on est parti. Tourne les cartes, s'il vous plaît. Parce que ouais, salut tout le monde, KTP avec Thorl, comment ça va? Ça va, mais faut qu'on fasse un truc là-dedans. Ouais, oui, vas-y, chope du bois. Vas-y, mais attends, pourquoi j'entends tout le monde sur Mumble là? On s'en fout, coupe le Mumble. Viens avec moi. Ok, je coupe le Mumble. Viens avec moi. Attends, moi j'ai pas. Vas-y, on bouge là, vas-y, viens, attends. Non, prends du bois et en fait, on va se faire des épées comme ça, on va choper les poulets en premier. On va tuer des gens. Premier truc, alors tuer des gens, va falloir attendre un peu. Okay, tu me dis quand Mumble est débugué. Ah, je sais pas, moi j'ai mute, j'ai full mute Mumble. Au pire, on décore coup de Mumble, vas-y, on tente. J'ai tenté déjà de décore coup, j'ai full mute. Très bien. À mon avis, dans 15 minutes, je remettrai okay, normal, okay. Tu vois. Donc épisode 1. Moi j'ai un problème de son, donc tu me passes la piste de son. De mon voilà. Côté, avec le magnifique Thorlk. Et joueur d'Hearthstone, oui, je choisis bien mes teammates, hein, vous inquiétez pas. Effectivement. Et puis voilà, bah deux ans que moi j'avais pas fait un KTP, ça fait plaisir de vous retrouver. On va juste mettre ça, on va se faire une petite. Des pioches. Une pioche chacun, une petite épée, on est bien. Raph. Est-ce qu'on se répartit les tâches? Si tu fais deux épées, ça peut être cool. Histoire. Tiens, moi j'ai déjà tout fait, mon perso. T'as tiens, fait je te drop ça. Tiens, hop là. Je t'avais passé ça, tiens. Parfait. Du coup, on va péter ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du bois. Mais pas celui-là, parce que celui-là ne donne pas de pain. Il est pourri. Viens, par là-bas. C'est de la merde. Mais il faut tuer. Tu tues les poulets. Tue les poulets, comme ça on a de la bouffe. Pas de la bouffe et des flèches. Et on a de quoi faire des flèches, c'est ça. Exactement. Oui, contre un matchup. Alors, faut expliquer aux gens qu'on est. Enfin, moi je suis nul. Et toi, t'as pas joué depuis 1000 ans. Et moi, j'ai pas joué depuis 1000 ans. Donc, du coup, voilà. très bon matchup. Attends, on va aller juste prendre les moutons. Parce que les moutons, il y a de la bouffe aussi. C'est ça, il faut trouver des vaches, de la canne à sucre.
Ouais, il faut qu'on trouve. Ouais, c'est vrai qu'en principal, il faudrait qu'on trouve ça, mais bon, c'est un peu chiant, je pense. Ah non, on va tout trouver, t'inquiète, t'inquiète. Moi, ouais. Ma spécialité, c'est avec le diamant, de toute façon. Je vais faire ce diamant, moi. C'est tout. Allez, go, allez. On va bouger là. Moi, j'ai déjà. J'ai de toute façon, on a masse bouffe là, c'est bon. Ouais, 10 de bouffe. Donc, friendly fire activé, j'ai entendu, c'est horrible. Ouais, ça. Friendly fire activé, il va falloir qu'on fasse gaffe. Il va falloir que tu fasses gaffe et que je fasse gaffe. Ah, parce que nous fassions gaffe. Ouais, il va falloir pas appuyer comme des connards, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Donc, objectif, on l'a pas encore dit, mais c'est ne pas mourir en premier. Oui, c'est notre seul objectif. D'ailleurs, on est en bordure de map là. Sur KTP, c'est notre seul objectif. Et toi, bah, bienvenue en plus sur KTP. Ah, merci. Tu coupes les joueurs, c'est pas de la canne à sucre là-bas. Ouais, j'essaye de trouver la canne à sucre et des vaches. Moi, je chope du bois. Vas-y. Je vais faire rapido, à mon avis, une hache en pierre, histoire d'aller plus vite sur le coupage de bois et choper des pommes, histoire qu'on puisse descendre et qu'on soit pas obligé de remonter en mode merde, il nous manque des pommes. Y'a pas de canne à sucre, c'est une catastrophe. Très chiant. Si, je vois de la canne à sucre. Où ça? T'es où? Je reviens vers là où t'étais parti couper du bois. Et apparemment, y'a Keknou qui a un problème de mumble, apparemment, je crois. Ah ouais? Personne se plaint, donc je mets une Keknou. Ouais, je les entends tous parler, c'est horrible. Là, au fond. Tout droit par là-bas. Tu traverses le lac et tu continues. Il va falloir faire un four très vite, je crois, parce que ça descend beaucoup plus vite que quand je joue tranquille à la maison, moi. Ah oui, tu m'étonnes. Mais courir, en fait. Je pense que là où on est pas mal. Ouais, après on est bordure de map, mais c'est bien, je pense. Ah, il y a une caverne juste là, putain, c'est parfait ça. Clac. T'as été où la canne à sucre? Parce que moi je la vois pas. Tu la vois pas? Non. Attends, j'ai un peu de lag. Elle est. Je vais te guider. Voilà ou pas? Putain, mais t'es parti où? Je suis parti au fond. Je te vois pas. T'as traversé... Ah, si, c'est bon, je la vois. Mais tu reviens vers la montagne après. Ouais, je vais vers la montagne après, t'inquiète. Oublie pas. Du coup, attends, je vais vite fait faire. Clac, clac. Oh, il y a du charbon et tout, parfait. Alors, je suis avec un texture pack qui est censé être optimisé pour le PVP. Je n'y ai jamais joué, c'est le Mat. On nous a dit, c'est trop bien. Matox, Red, Bidule, Chouette, tout dans le genre. On nous a dit, c'est le truc pour gagner. Si tu veux win, tu prends ce texture pack. Mais le souci, c'est que je suis pas du tout habitué, donc du coup, ça fait un peu bizarre. Clac, clac. Clac. Non, mais là, on est bien. Il manque plus qu'il faut choper des vaches. Vers la montagne, ok. Ouais, t'inquiète, après. J'arrive. Je sais pas s'il y a la nuit. J'ai complètement zappé. Est-ce qu'il y avait une nuit? Je pense pas, non. Bon, ça se peut, hein. Il y a des fois où il y était, des fois où ça y était pas, je ne sais pas trop. Oh, je fais tomber dans la lave. Le mec mort direct, c'est. Surtout qu'en plus, si tu prends des dégâts, je prends des dégâts. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on meurt tous les deux, putain, c'est horrible. Donc faut pas que tu fasses ça. On a tous les deux trop de responsabilités, je trouve. C'est incroyable. Est-ce que je cherche des vaches de l'autre côté? Continue à faire les pommes. Non, viens, choper des pommes avec moi, je pense. On a encore 5 minutes pour choper des pommes. Vas-y. Faut juste couper tous les arbres. Tout bêtement. Ouais. Une hache vite fait. Clac. Là je suis stressé. Ouais, surtout que là il y a quelque chose. Hein. Là en plus on peut faire. Regarde là il y a du charbon. Attends, je vais me faire une. Attends, on a trois. J'ai 10 cannes à sucre donc on peut faire deux. On peut faire 3 livres avec ça je crois. T'as canne à sucre? Ouais, 10 cannes à sucre. C'est trois. Là où je suis mec, il y a de quoi commencer à s'amuser. Vas-y, moi je commence à faire les bois. T'as mis texture pack ou ça te l'a pas mis? Ça me l'a pas mis je crois. Parce que en fait ça permet vraiment de voir dans le noir. Hein. C'est parfait. Ouais, mais c'est de la triche du coup. Non, c'est autorisé. Okay. Très bien. Là les gens disent ouais putain Tex c'est ton premier KTP, tu reviens, tu fous la merde, tu triches direct. T'es vraiment un connard. T'as aucun respect. Objectif de cet épisode, choper tout et régler le problème de Mumble. Voilà, le problème de Mumble à mon avis il se réglera petit à petit. Ou au pire on le relancera hein, tout bêtement. Oui c'est ça. Je pense que c'est ça, moi je suis en train de récupérer du charbon. Moi je fais les pommes là, je coupe masse bois. Limite commence à faire tout ce qui est pierre et tout, tout ce qui est outil en pierre. Je suis en train de le faire. Ouais, j'ai fait que pour moi là pour pouvoir miner rapidement et qu'on bouge vers le centre. Comme ça au moins on sera pas embêté par. Mais pas qu'on reste sur le côté, tranquille. Bah parce qu'il y a la limite qui descend hein, au bout d'un moment. Après je sais pas si au bout de combien de temps, je trouve que c'est quand même au bout de beaucoup de temps. Bah, je pense qu'on a un peu le temps. Au pire on creusera vers le centre, ok. Ouais c'est ça, on fera ça. Alors j'ai du charbon. Reviens parce que je pense que là où on est c'est parfait tu vois. Bah je suis en train de faire des pommes là, je suis juste au-dessus de toi je pense. Ok, il y a toujours pas de pommes qui sont tombées. Je coupe masse bois sans regarder là. Ouais, de toute façon tu ramasses après. C'est ça, non, t'inquiète, on va vraiment. Faut qu'on ait deux pommes chacun quoi. J'ai eu un crash. Ouais. Bah, tu me diras si Mumble a marché après ça quoi. J'ai carrément eu moi un joli crash Minecraft. Vas-y, du coup, je t'ai vu. Ça va vraiment être incroyable que cette partie, je sens que ça va être extraordinaire quoi. Au bout de 10 minutes, le mec, moi j'ai eu masse problème de son avant de commencer, du coup, j'ai pas le son des autres. sur XSplit, j'ai que le record du jeu, enfin, c'est une catastrophe, vous imaginez pas. C'est pour ça qu'il faut une pomme sur XSplit. Quoi? Ils t'ont tous troll quand t'as dit que tu recordais sur XSplit. Oui, mais c'est quoi ces gens qui recordent pas sur XSplit aussi? C'est des youtubeurs ça aussi. Moi je suis qu'un petit streamer indépendant. C'est pour ça, oui, clairement.
Oula, cancel. Refresh. Voilà. Je peux me reco, normalement, c'est good. Voilà, j'ai eu un souci, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est. Il nous a dit que le serveur allait en chier un peu au début. Le temps de lancer le truc. T'as fait un four ou pas encore? Totalement normal. Je viens, bah, je viens à la peine d'en faire un du coup. J'arrive à leur poser de la bouffe dedans. Une pomme. Je trouve un endroit assez calme, donc je pense qu'on va se mettre là pour le moment. Clac. Parce que c'est... Est-ce qu'on a dit aux gens qu'on était les favoris? Ah, on est les favoris, typiquement. On est les mecs qui vont se faire focus entre temps le joueur d'Hearthstone et moi qui suis pas venu depuis 2 ans. Ils sont je suis le seul joueur pro e-sport du KTP. On va vous claquer la gueule. Voilà, champion de DreamHack plusieurs Alors, fois. Une pomme. On a récupéré une autre? J'ai récupéré une. Toi, t'en as combien? Une pour l'instant. J'en ai coupé pas mal, ça va tomber, je pense. Ok. Paf. Où est notre grotte du coup? Faut monter, elle est en haut? Non, non, attends, je vais te montrer. T'es où? Vas-y. Là, regarde, bien. Ouais, c'est Elle est là. Ok, je vais. Et c'est un peu. Tu descends. Et t'as la lumière, normalement, descend. Ok, nice. Et là, il y a déjà des trucs qui sont en train de. Oh, on est bien là. Ouais, il va falloir juste que je la cache un peu plus. Ouais, j'ai mis de la bouffe à cuire. Pour l'instant, par exemple, trop besoin de se cacher, je pense, à mon avis. Je sais pas. Non, toujours au cas où. Pas confiance. Mais j'ai confiance en personne, même pas en toi. Bah, c'est tout qu'on. Ouais, j'avoue qu'on est relié là. Est-ce que la déco, a fait marcher Mumble chez toi? Je vérifie. Alors je vois tout le monde parler. Ouais. Mais non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Et alors bon. Ça marche? Ouais, ouais, je crois que c'est bon. Ouais, on voit, y a tout le monde qui parle, donc du coup, tant qu'on sera pas proche, on ne se verra pas. Attends, je vais essayer aussi, alors attends, je peux pas. Alors. Bon, normalement là, ça marche. Ok, je décore le coup du coup, ok? Ok, vas-y, vas-y. Hop là, moi je vais préparer un deuxième four. C'est pas du tout avec ça que je vais faire un four. Paf. Attends, j'arrive. Je fais un deuxième four en attendant. Du charbon au moins on en a et ça c'est cool. Va falloir faire des torches. Est-ce que ça marche? Ok, bon moi ça marche pas du tout. Ah ouais? Bon. Ouais. Que des problèmes, c'est incroyable. C'est pas très grave. Attends, il va falloir que je bouffe. Juste voir, est-ce que. Regarde dehors si ça va pas lâcher des pommes. Laisse rien d'apparent hein, dehors, les laines et tout, tu dégages. De toute façon, on est tellement loin, je pense que personne n'aura à nous chercher ici, je pense. Mec, je te rappelle qu'on est 36. Ouais, j'avoue, putain. J'ai masse bois. Hein. 32, pardon. On est 32. Bois pour toute la game, je pense. Oui, le bois, on en a assez, mais de toute façon, au début, t'es carrément obligé d'en avoir. On n'a pas de cuir, c'est juste ça en fait qui fait chier. Je vais aller en chercher, ok? Si t'arrives à te retrouver après, ouais. Vas-y. Va pas trop loin, quoi. Okay, prends de la bouffe avec toi. J'ai masse bouffe, vas-y, j'y vais. Et prends pas de dégâts. Non, ah oui, c'est vrai que ça c'est. T'as bouché la grotte, ok. Non, c'est bon, c'est pas là. Non, nickel. Bon, tu peux sortir. J'y vais. T'as ramassé des pommes ou pas? J'en ai une. Ok, je vais voir s'il y en a d'autres qui sont tombées rapidement. Ok, j'ai une autre pomme. Ah ça c'est parfait. Du coup, est-ce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, j'ai 3 pommes, c'est bon, j'en ai 3. 4 chacun. 2 chacun. Ok, bon ça c'est cool. Il nous en faut, de toute façon, il nous en faut mage. Mage. Ouais, je vais voir si on trouve des vaches. Comment on craft les books déjà? Putain, j'ai plus aucune idée. Bah, les bottes? Hein, les bouquins. Les bouquins, c'est canne à sucre et cuir, c'est tout. Ouais, mais je sais plus c'est dans... comment tu les mets. Ah, le schéma, bah, je saurais pas te l'expliquer, mais je sais le faire par contre. Alors, c'est 3 et ouais, 1, le craft, ouais, c'est. Ok. Et canne à sucre. On va faire du papier, faire du papier. T'as combien de canne à sucre? 10. On peut faire 3 papiers, on peut faire. Il nous faire 3 faut, bouquins, je crois. Il nous en faut plus. Ah, clairement, il nous faut plus de tout en fait. Il nous en faut plus. Bah, du coup, attends, je vais aller chercher aussi ce que je peux trouver. Je bah, là, niveau cuir, c'est la crise, hein. Y'a rien du tout pour l'instant. Ouais, tu m'étonnes. Faut juste qu'on note où est-ce qu'on est au niveau de notre. En plus, je suis vers la bordure, c'est la catastrophe. Enfin, je fais un village en fait, ce serait bien. Ouais, non, mais t'en demandes un peu trop, je crois. J'avoue. Du cochon, c'est pas fou, mais. C'est pas fou, mais prends. Je prends quand même, évidemment. Oui. Tu prends. Moi, je vais juste me faire une. Une épée en pierre. Ok, je trouve un marécage. Oh, je trouve du fer. Pour faire dans la pompe. Si t'as de quoi, c'est bien. Ah ouais, c'est bon, je peux le faire, vas-y. Ok, alors attends, moi je vais sortir. Il y en a 4, sérieux? Oh non, ça existe pas ça, un seul de fer. De quoi? Je suis tombé sur un minerai de 1. Si ça existe. Ah, quelle horreur.
Alors attends, je vais aller par là-bas. Ok, j'ai de la canne à sucre. On se dit que de toute façon, dans 7 minutes, il faut qu'on soit à la base. Ça. Voilà. Mais on se passe de coordonnées au pire, de toute façon, pour nous retrouver. Pour se retrouver. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que non, bah, j'ai tout laissé là-bas en fait. Donc, du coup. Ouais, c'est ça. On n'a pas grand-chose pour l'instant. Mais je crois. Très de canne à sucre. J'ai trouvé un marais. C'est par là-bas. Je croyais que je m'étais déjà perdu, j'allais faire. Mais non, lol. C'est terrible. Ouais, tu peux pas te perdre avec les coordonnées de toute façon. Ouais, mais j'ai pas noté les coordonnées d'où est-ce qu'ils étaient. Ah bah, garde-les par contre, moi je les ai pas notées. Je comptais que tu restes sur place, moi. Je trouvais du fer. Le stress Minecraft, c'est un truc de fou. Ouais, hein, c'est marrant qu'il y ait un stress là-dessus. Hein. Enfin, je pense que ça me fait rire. Incroyable. Ça me fait rire parce que moi-même, je me dis putain, mais je stresse quoi. Allez, je trouve. Mais je suis... on peut rien faire si on a pas de vache, ça fait deux... chier. 3 de fer. J'ai trouvé de la vache, allez, allez. Charbon. Oh là 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 là, c'est la crise tech. Donc là en vrai, je sais plus où... sans les coordonnées, je pourrais pas revenir où on est quoi. Oh non, t'es sérieux? Non mais non, t'as les coordonnées, c'est bon. Oui, je l'ai. On est bien. Je suis en train de miner, j'ai trouvé masse d'iron. Allez, 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 je suis trop. J'ai trouvé un joli creeper aussi, bonsoir. Bah. Tant qu'il monte pas me faire chier, c'est bon. Il y a tellement pas de vaches. Avec des porcs 5-5 partout. Putain, mais trop vu de vaches, merde. Un de cuir au moins pour faire l'enchante, quoi. C'est tout ce qui te manque. Je te vois, creeper, hein. Regarde pas. Bon, je vais revenir vers la base parce que c'est la merde. Hein. Il y a pas grand chose. En fait, il manque juste des vaches et de la canne à sucre, quoi. Au pire, la canne à sucre, on en posera une devant notre base et elle poussera. Oui, non, ma canne à sucre, ça va, la canne à sucre, j'en ai en fait, moi, c'est juste vraiment le cuir quoi. Attends, les lapins font du cuir, je crois. Genre, 4 lapins peuvent donner des petits cuirs, je crois, un truc comme ça. On se casse, à terre de lapin. J'ai trouvé un mineshaft, lol. Sérieux? Ouais! Nice! Bon, ça. Je pense qu'on va bouger nos affaires ici. C'est bien ça. Non mais ça va le faire, ça va le faire. Après le mineshaft, faire gaffe à mourir quoi, mais bon. Si on ça peut être la baise, ça peut être bien comme ça peut être la baise en fait. Ouais mais faut tenter, de toute façon comme on part avec Arthur. Il fait nuit dehors ou pas? Non il fait pas nuit. Non mais y a pas de nuit. Ok, j'ai trouvé le mineshaft donc ça c'est panique cool. Panique radio sinon. Est-ce qu'on a coordonné déjà? Est-ce qu'on bouge dans le mineshaft? Oh putain je sais plus. Je sais plus par où j'étais. Attends. Bah limite sort de la grotte, je viens de te retrouver, par contre je vais pas te cuire. Je crois que je viens de là. Attends, mais non, non c'est bon, j'ai retrouvé. Moi je suis sorti de la grotte. Tiens, encore. Allez, c'est quoi? Je file les coordonnées, vas-y. Alors, je vais te dire. C'est. X. Moins 1160. Moins 1180. 62. Moins 454. Non, je suis là. Par perpète, quoi. Je reviens. Donc, t'as pas trouvé de vache, je t'en veux pas. Bah, sur le retour, je vais essayer, quoi, mais. Je débug de. Tout est noir des fois. J'ai trouvé 20 iron. Hein. Déjà. Sérieux? Non, mais bien, du coup, on est pas voilà. Mal. Oui, moins 1263, moins 478. Tu me dis quand t'es là. C'est bon ça. J'arrive en moins 450 là. Et comme ça, je pense qu'on ira directement. Juste de choper des vaches en passant quoi, ce serait trop bien. J'en ai pas des trouvé, vaches, hein, mais par contre, le mineshaft, ça c'est cheaté. Bah, faut peut-être que j'aurai des livres dans le mineshaft. Après, j'ai des mini cuirs. J'essaie de faire un cuir sur les lapins. En fait, il faut un cuir dans tous les cas. Ouais, ouais, c'est ça. Et si tu trouves des lapins, prends. Mais ouais, je me fais un outplay par un lapin quoi. Je pense que je vais nous faire des plastrons avant de nous faire des épées. Le problème, c'est que les gens vont pas m'entendre sur Mumble du coup quoi. Ouais, mais ils m'entendront moi. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait. C'est juste que toi, tu les entendras pas, tu les entendras pas non plus. Ouais, s'il si y a des gens, moi je vais dire putain, mais que j'entends du bruit, il y a quelqu'un, faut se taire, faudrait que tu fermes ta gueule. Ok, ça va, ça va, je te fais confiance. 6, ouais, c'est bon. J'ai masse charbon, je le chope, ok. Ok. Ça va toujours servir ça. Il reste 3 minutes avant la fin de l'épisode. Ouais, vas-y, viens, viens, viens. T'as l'épisode le moins intéressant. Donc on se retrouve. Voilà, ça va, c'est le début, c'est le début. De toute façon, ça va être pire dans les autres, là, dès qu'on va s'enterrer. Ah non, ça va être bien, il va y avoir du diamant. Ah peut-être pas, mais le mineshaft va falloir qu'on le protège parce qu'il y a des gens qui vont trouver l'entrée et ils vont venir. Hein. Ce mineshaft, on a vraiment énormément de chances de croiser des gens dedans. Nous mon gars le mineshaft. Hmm? Chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous.
On va mettre des pièges et tout, t'inquiète. Grave, c'est le mec qui piège tout le match. On va mettre de la TNT. T'arrives ou quoi? T'es en galère pour revenir. T'es en galère? T'es vraiment, oh, je trouvais la base de quelqu'un. Je peux leur prendre, attendez, leur fourrer tout, putain. Y'a des gens. Casse-toi, y'a qui? Dans 3 minutes, tu peux me tuer en plus en 3 minutes. Mais bouge ton cul, mec. Tu vas pas mourir maintenant, t'es sérieux? Je vais mourir, ah. Non, je déconne. Ouais, non, mais tu feras pas l'affaire, y'a Gentleman Room. Mais t'es vers où? Là, je reviens à moins 440, t'avais dit là. Je sais plus quoi là. Moins 460. Ouais, 460. Tout à droite, moins 460. Hein. J'arrive. Moins 1519. J'étais resté tellement loin. T'as combien en X? 800, mais je remonte vers les 1000 là. Oh putain. Là, je suis à 800 moins 550. Faut être safe là, faut être safe. Dans 2 minutes, faut être safe, mon gars. On a pas de cuir. T'as dans le mineshaft, on va trouver des livres dans le mineshaft quoi. Allez, je t'attends. Attends-moi, j'ai le montagne à gravir là et je devrais être là bientôt. C'était tellement galère. Zéro vache. Putain, j'ai fait du terrain quoi. Et donc, moins 450 là, j'y suis. Attends, je... Moins 480 gros. Monte la montagne quoi. Premier épisode, Tork et Tex se sont déjà perdus. Non, c'est pas perdu qu'on est sur vocal, c'est bon. T'imagines sinon, ce serait la merde. Vous êtes où pas... Concrètement, je serais jamais parti si loin. Non, je suis dans la merde là. Je suis en train de monter de montagne, si je tombe c'est la fin. Tu tombes pas, hop. Tu descends tranquillement. Pourquoi je fais des trucs comme ça, c'est trop dangereux quoi. Allez, reviens là. Bon, il me reste combien de temps pour revenir là? J'ai l'impression que je vais plus jamais le revoir. 1 minute 17. C'est bon, t'inquiète, j'arrive. Moins 460 et 1000 et quelques, c'est ça? Moins 470 et moins 1200. Moins 1200 en X, hein, le premier score. Ah ouais, t'inquiète. Au cas où, parce que si t'es parti en 470, moins 1200, on se revoit dans 3 épisodes, gros. Et moi, on se revoit à bord d'ailleurs. Après, il me reste plus que 2 petits cuirs de lapin à choper, c'est tentant. Non, tu viens. J'arrive. Vite, je te vois pas, putain, t'es où? Je suis en bonne direction, 100%. 100%? Bien, Diam, ce qu'il dit là. T'as longé la barrière, t'as fait quoi? Non mais c'est bon, j'arrive là, je suis bientôt en moins 1000 là. Cet épisode se finira avec une séparation qui peut-être... Dans la totale et définitive. Peut-être des retrouvailles au prochain épisode. Bien évidemment. J'ai jamais été fort en coordonnées. Mais au prochain épisode on va se retrouver. Oui, sûr. Il faut, et on partira et on va le mineshaft. On va dans le mineshaft. Le mineshaft on va mourir. Pas du tout. Deuxième épisode. Après la pub.